Bonjour à tous, c'est Élise et aujourd'hui on se retrouve pour faire des activités manuelles et travailler la motricité fine. On va donc faire du pliage origami. Je vais vous en montrer deux, le chien et le chat. Pour faire le chat, vous allez commencer par placer un angle vers vous et vous pliez la feuille en deux en rejoignant les pointes. On va replier encore une fois la feuille sur elle-même. Toujours en faisant bien attention à ce que les pointes se touchent. Et ça va nous permettre d'avoir un repère. On prend ce côté-là et on le plie à peu près à moitié. Pareil de l'autre côté. On essaie de faire en sorte à ce que ce soit à peu près symétrique. Hein. Si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Et on termine par replier le petit bout ici. Le petit triangle. On retourne, on a donc notre petit chat. Pour le chien, c'est très facile. C'est même plus facile que le chat. Donc même étape, on plie de pointe à pointe. On replie encore une fois par le centre, ça nous permet d'avoir notre repère. De là, on va plier à moitié, donc c'est vraiment comme pour le chat. Et là, on va faire la truffe du chien en repliant par devant. Ce que vous pouvez faire pour éviter comme ça que ça baille un petit peu, c'est de coller les parties qui sont en l'air. On attend un petit peu que ça sèche, et pareil, soit avec des crayons de couleur, soit avec des feutres, on va faire les yeux, le nez, la bouche. Et voilà deux petits pliages très simples et rapides à faire avec votre enfant. Avec ces mêmes petites feuilles de couleur, on va pouvoir aussi utiliser les poinçonneuses. On choisit une poinçonneuse, moi j'ai pris celle-ci, c'est un motif de fleurs. L'avantage c'est qu'on va travailler le pliage du pouce, puisque quand on écrit, on va avoir besoin de plier son pouce et de le faire travailler comme ça d'avant en arrière. La poinçonneuse c'est un super exercice pour faire travailler la musculation des doigts. L'avantage de celles-ci, c'est qu'elles sont pas trop grosses et elles sont facilement manipulables par les enfants en une seule main. Parce que certaines sont très dures, on est obligé d'y aller comme ça à deux mains en forçant. Ici, c'est pas du tout le cas. On va poinçonner tout le long pour faire une carte trouée. Donc vous voyez, le résultat est quand même super mignon. Ce qu'on peut faire également, c'est réutiliser du coup notre petit pliage origami et le coller au milieu. Comme. Et voilà, ça nous fait une carte vraiment super sympa. Alors par contre, juste si vous souhaitez écrire un petit message derrière, et non pas devant, le mieux c'est d'écrire le message avant de coller. Tout simplement parce que là du coup ça va faire un volume et pour écrire ça sera pas pratique. Toujours avec les petites feuilles de couleur, on va faire une autre carte. L'idéal c'est d'avoir deux couleurs avec un contraste assez fort entre les deux pour que ça ressorte bien. Ça va être ma carte support et celle-ci on va l'utiliser, on va la découper. Donc soit vous coupez vous-même les bandes pour l'enfant s'il est encore petit et qu'il ne sait pas encore se servir des ciseaux. Sinon, vous pouvez en profiter pour lui apprendre à tirer des traits à la règle. Et ensuite, ce sera à lui de découper les bandes. C'est pas grave si elles sont pas tout à fait égales entre elles. Comme ça fait un travail vraiment hyper complet. On a nos trois bandes. On va reprendre les poinçonneuses. Cette fois-ci, je vais prendre le rond. Parce que là, on va utiliser les déchets et on va devoir les coller. Le problème des fleurs, vous voyez, c'est qu'elles sont vraiment toutes petites. Et du coup, pour réussir à mettre de la colle sans s'en mettre plein les doigts, ce serait quand même hyper compliqué. Donc on va plutôt prendre une forme pleine comme un rond, un cœur ou autre. L'avantage de ces petites poinçonneuses là aussi, c'est que derrière on a un réservoir, on a une petite trappe qui va les récupérer. Là vous allez ouvrir la trappe et on va utiliser une petite poubelle de table. Donc moi j'ai récupéré un petit yaourt, un petit pot de yaourt vide. On se place au-dessus et donc là on va coller nos petits ronds tout autour. On peut aussi réutiliser les bandes comme ça et là on va faire un petit cœur. Voilà pour la deuxième carte. Ensuite, on va pouvoir aussi utiliser une carte directement avec un mandala comme celui-ci qui est déjà tout fait. L'avantage de ce type de mandala, c'est que déjà le papier est quand même relativement épais, donc ça permet d'écrire derrière sans problème, ou à la limite imprimer un petit mot et le coller directement derrière comme ça. Le gros avantage, c'est que là, la surface qui est dorée, en fait, elle est complètement lisse et le crayon de couleur ou le feutre ne va pas accrocher dessus. Ce qui fait que pour les enfants qui ont encore un petit peu de mal dans le coloriage ou qui n'aiment pas trop ça, bah, même s'ils débordent, vous voyez là, je fais quand même des grands gestes, je fais pas spécialement attention à savoir si je déborde ou pas, bah, en fait, ça se voit pas que j'ai débordé. Donc ça, vraiment, c'est super pour les enfants qui ont encore du mal à maîtriser leurs gestes. Et en plus, il s'agit de remplir les espaces, donc on a l'impression qu'il y a déjà la moitié du travail qui est fait autour. On peut aussi demander aux enfants de ne pas tout colorier. On peut leur faire des petites marques et comme ça, selon là où en est l'enfant et selon ses capacités, on ne va pas forcément lui demander de le terminer en entier. On peut lui demander de faire uniquement certaines parties du mandala. Si l'enfant
est très habile. On peut passer sur des mandalas de ce type-là, où là, vous voyez, les motifs sont quand même beaucoup plus fins. Donc là, on est vraiment sur un autre niveau de difficulté. Si l'enfant se sent un petit peu découragé, vu le volume de ce qu'il y a à colorier, ce qu'on peut lui proposer, c'est d'utiliser un pochoir et de ne dessiner qu'une partie. Je vais prendre l'exemple encore une fois avec mon petit pot. On peut lui demander par exemple de faire 3 ronds dans son dessin, ou plutôt 3 cercles. Le gros avantage du mandala, c'est que ça s'utilise dans n'importe quel sens. Du coup, l'enfant n'est pas gêné. Pour terminer, j'ai découpé la carte en suivant le contour du mandala. Ça donne un résultat quand même hyper sympa et c'est un petit peu original aussi d'avoir une carte ronde. Derrière, j'ai collé un petit mot que l'enfant évidemment peut écrire à la main selon s'il en est capable ou non. Pour résumer, voici nos 3 cartes. La plus facile, on va poinçonner et coller. Difficulté moyenne, on poinçonne plus on réalise un pliage que l'on va coller et on fait un petit peu de dessin dessus. Et la dernière, sur laquelle on a tout un travail de coloriage très fin. En plus de ça, on a du découpage et on demande à l'enfant aussi d'écrire. On aurait très bien pu aussi écrire d'ailleurs derrière ces 2 cartes-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire en commentaire si vous pensez vous aussi réaliser ce type de carte pour la fête des grands-mères ou plus tard pour la fête des mères, pourquoi pas. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.